Salut à tous, sur Magic Arena FR, comment ça va Ça va très bien toi Ça va très très bien, puisque comme tous les jours on tourne des spoilers, on est content. On vous fait la deuxième partie des spoilers Drain. certainement dernière partie, euh, à moins qu'il y ait vraiment des dingueries qui sortent entre temps, mais normalement euh, ce sera la dernière partie, puisqu'ensuite il y aura le top euh, de l'extension euh, qui sera euh, sur la chaîne un petit peu avant euh, que l'extension sorte, ouais. évidemment. Euh, en espérant qu'on ait accès au jeu de façon anticipée comme les avant-premières streamers. On n'a pas encore l'info, mais, euh, mais, mais on chances. vous tiendra au courant, il y a des chances, voilà, comme à chaque fois, et ça ferait plaisir et du coup ça nous permettrait de faire un top encore plus exact qu'il ne l'aurait été. Avant ça, l'anticipation, confiance, le pouce bleu, merci beaucoup aux sponsors, Play My Magic Bazaar, Code Valet PL 2023 sur leur boutique, ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça vous soutient, et ça nous soutient, ça vous soutient un petit peu parce que vous avez des points de fidélité en plus. Euh, merci à tous et merci Ultimate Guard. Euh, lien d'affilée dans la description si vous voulez nous soutenir directement en passant par ce lien, euh, vous êtes sur le site d'Ultimate Guard. Vous achetez tous les bons produits qui font. N'importe quel produit, il y a est du bon, bon là-bas. Et il y a du bon produit. Bah, vous pouvez voir euh, certains produits qui ne sont plus en stock, c'est parce qu'ils sont trop bons et que les gens les pillent. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, c'est euh, par là que ça se passe. Et merci au Team d'avoir mis ça en place. Euh, on en était, euh, dernière carte, c'était le démarrage Tony truyant qu'on voit là. Du coup, on attaque sur le spectre de la mortalité pour 5. On a une 3-3 vol spectre. Quand le spectre de la mortalité arrive sur le Champ de bataille, vous pouvez exiler au moins une carte de créature depuis votre cimetière. Quand vous faites ainsi, chaque autre créature gagne moins x moins x jusqu'à la fin du tour. x étant le nombre de cartes exilées de cette manière. Ok. C'est un peu faiblard ça. On dirait pas une carte jumpstart un peu. En même temps, ça reste une bête qui te permet d'arriver sur le champ de bataille et de faire Vras, non Ben, bah, vous pouvez exiler au moins une carte de créature. Ouais. En gros, si arrive ah, tu arrives... Et... tu peux exiler plus Ouais. Ah ok. En, en gros, tu Pour 5 manas, tu as une 3-3 vol, Si tu as exilé 3 cartes, tu mets moins 3-3 à tout le bord de l'oppo. Ouais, J'avais compris que tu pouvais en exiler qu'une. C'est au moins une dans le sens où t'es pas obligé de le faire. Ah alors dans ce cas-là c'est nul. Ah c'est nul. Mais je crois pas que ce soit ça. Bah sinon c'est quand même. Tu exiler au moins une carte de créature. Ah, non. C'est fort quand même, non? Bah oui, c'est fort du coup. Enfin, c'est fort, c'est bien quoi. C'est bien. Si en fait si t'as une stratégie qui te permet de mécaniquement remplir ton cimetière, de. de, de comment dire Un peu par effet ricocher sans forcément. Tu vas pas designer toute une mécanique sur le fait de remplir ton cimetière pour ouais. un moment faire une grosse brasse qu'elle a joué une race. Mais si ton deck, naturellement, il a un intérêt à mettre des créatures au cimetière, ouais, et que... Voilà, c'est ça. Et que dans ton haut de curve, tu as un 3-3 fly qui rase le board. Acceptable. Bah, je vous ouais, me direz si on a bien lu la carte. Je pense que cette carte n'a pas de sens si jamais on l'a mal lu. Tu vois ce que je veux dire Ben bah, ouais, en fait. C'est pas jusqu'à une carte, si vous pouvez exiler au moins une carte. Ce qui sous-entend que tu peux en exiler 20 si tu veux. Oui, c'est vrai qu'il aurait écrit jusqu'à une carte. Donc mais comme pour, il s'amuse à, à changer le wording, des fois, enfin, il s'amusent. il change le wording pour que ce soit plus clair. Mais des fois, quand on est habitué à l'ancien wording, on ne comprend pas ouais, euh, ouais. l'effet. C'est pour ça que j'ai un petit doute. C ça me paraît pas être la carte de l'année non plus, mais non. ça peut avoir un intérêt. Non, mais c'est quand même fort. Hein. Une 3-3 fly pour 5 qui enfin, genre, vrasse généralement, c'est pour 4 ou 5 mana. Ouais, mais là, attention, mana. il faut texturer ton deck autour. Là, il faut des créatures ouais. dans ton cimetière et les exiler. mais... Que ça se fait. Mais bon. tu vois, ne serait-ce que ça arrive, ton Oppo il joue des wedding announcements, il a un espèce de, de board avec plein de game objects, t'arrives, mmh. tu fais ta trois trois vols, qui fait moins 2 moins deux à tout le board, c'est pas ouais. trop dur à assembler. Bah, pour ouais. la carte, elle a fait son job quoi. Bah, en fait, si c'était euh, euh, moins, jusqu'à moins 2 moins 2, même si c'était pas plus, c'était déjà une bonne carte pour moi. Ouais, ouais, c'est juste moins un moins 1, c'est ça qui fait que c'est trop faible peut-être une carte de side et tout. Hein. Donc, ouais. euh, bon, en tout cas, intéressante. Elle est, elle est intéressante au moins intéressante. cette carte. Clair. Chaudron d'agatha pour 2 mana, on a un artefact légendaire. Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer les capacités des créatures que vous contrôlez. Ça peut être pas mal si vous jouez des decks multicolores. Les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs plus 1, plus 1 euh, sur elles ont toutes les capacités activées de toutes les créatures exilées par le Chaudron d'âme d'Agatha, okay. et donc du coup, en l'engageant, vous pouvez exiler une carte ciblée depuis un cimetière, et quand cette créature est exilée de cette manière, vous mettez un marqueur plus 1, plus 1 un sur une créature ciblée que vous contrôlez. C'est beaucoup de texte pour euh, pas grand-chose, en gros, euh, tu peux exiler des bêtes de ton cimetière et de celui de ton opo, ça te permettra euh, de donner les capacités activées à ton board de toutes les cartes que tu auras exilées, tout en leur donnant des marqueurs plus 1, plus 1. Mais, ça demande ah moi ça m'a fatigué j'ai déjà envie de lire la suite. Ça demande que toi tu aies déjà du board pour pouvoir utiliser les capacités activées et que ton oppo ou toi vous jouiez déjà des créatures qui aient des capacités activées intéressantes. Ça c'est une carte à combo c'est ou broken ou naze. Mais ouais c'est ça en fait tu vas jouer des bêtes qui ont déjà des marqueurs euh, pour euh, trigger avec et des structures. Tu fais je, je dans Magic on peut trouver un OTK en deux cartes avec ça tu vois. Ouais, ouais mais c'est un peu chelou on une, une créature qui a deux capacités activées grâce à ça. Oui. Et euh, du coup, bah, comme il y avait en Duel Commandeur, Voilà, un euh, truc un peu, un peu chelou. Mais sinon, c'est pas bien. Bah, Ça ne servira qu'à ça, quoi. Le truc de grind un peu que ça propose, à mon avis, c'est... Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Vipère bouillante. Pour 2, on a une 2-1 élémental serpent. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de malin inférieure ou égale à 3, la vipère bouillante inflige une blessure à ce joueur. C'est pas mal, ça. Fine. Et pour 2, en aventure rituel, renvoyer un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Alors... Ah, oh, le rituel bah, moi, ah. c'est le, le coup. J'aime pas les créatures qui ont je une aventure pas, ouais. euh, qui euh, est euh, aussi chère qu'elle ou plus chère même. Alors, après, attention. Moi, je suis d'accord avec toi que j'aime bien que les aventures soient moins chères parce que ça mm. me permet de les curver, genre drop 2 dans drop 3, j'ai ouais. un dracos, on connaît. Mais là, si tu fais l'aventure à 1, dans tous les cas, tu la curveras pas. Puisque, à moins que ton oppo joue un tour 1, ce qui est assez rare, tu feras jamais Boons et ma créature autour 2. Non, mais tour 3. Tour 3, tu peux faire Boons, créature. Tu vois, Boons, ah, dans, 3, le, 1, dans le même temps. Dans le même tour. C'est okay. plus simple aussi. Ouais. Donc j'aime bien la carte parce que c'est deux bons effets quand même, un peu cher. En fait, le rituel. C'est deux bons effets mais qui sont très underpowered parce que sur la même carte. Mais ils sont très genre Boons rituel pour deux mana. C'est vraiment ce qu'on fait de plus fatigué dans l'histoire de Magic quoi. Ah c'est permanent quand même. Donc au moins et c'est ciblé, c'est pas d'un adversaire. Donc c'est un minimum polyvalent mais c'est vrai que c'est un peu cher. C'est vraiment rose et ta hyper bouillante elle est acceptable quoi. Mais sans, Ah, sans quand bon même, tous les spells qui coûtent trois au moins, ça fait beaucoup de spells. Oui, oui, mais je gère sa ping de un, tu vois, c'est pas un aidolon. Ouais. En ouais, fait, ce bien. sont des versions très downgrade de cartes déjà existantes. Et mmh. donc, du coup, dans des stratégies données, tu préféreras toujours leur version de, euh, upgrade. Donc, que ce soit le Boons ou alors que ça soit les Idolons par exemple. Et ça, tu voudras le jouer dans un espèce de, de deck midrange. Mais des fois, quand tu as le cul entre ouais. deux chaises, quand tu es assis entre les deux chaises, tu tombes, tu vois. Bah. Et ça, Vipère Bouillante, je pense que dans le standard, ça va tomber. En fait, Iset, c'est le problème d'Iset, c'est qu'il faut des menaces, donc souvent des créatures pour tuer. Mais en même temps, il vaut beaucoup de sorts parce que ça trigger avec ses autres bêtes. Et ça, c'est une bête qui est un sort. Ouais, ouais mais Donc, euh, je pense que c'est ce slot là qu'elle prend, mais je pense que c'est trop fébrile peu... au regard ouais. de ce que nous montre le standard actuel et ce que nous montre le drag. En plus, il y a une bête qui fait moins 1, moins 1 facilement, et là c'est une 2-1. pour moi pas une bonne carte, même si elle paraît polyvalente. Ouais Elle est plus polyvalente aussi. que forte. Je pense aussi que c'est un peu trop faible. Ça rappelle, je sais plus quelle extension, il y avait pas mal de cartes comme ça avec euh, des effets, genre peut-être Strixhaven, je crois. Deux effets atténués et... de, de la voilà. carte, et en fait, bah, la carte on la joué juste pas quoi. Ouais, on préfère jouer les bonnes cartes mmh. tout court quoi. C'est ça. Bénédiction. Ah non, c'est une rare ça, donc ouais. c'est la rédemption du chasseur. Pour 3 mana, on a un enchantement saga. Premier effet, vous créez un jeton de créature 3-3. Deuxième effet, tu peux sacrifier une créature. Si tu fais ainsi, tu cherches dans ta bibliothèque une carte de créature ou de terrain de base, tu la mets dans ta main. Généralement, le deuxième effet, tu vas pouvoir le faire avec le premier effet si t'as pas d'autre board. Et troisième effet, jusqu'à deux créatures, gagne plus de plus de là, acquiert car le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ton plancher, c'est pour 3 une 3 3 et derrière as deux bons effets, c'est une bonne carte. Ouais, euh, par contre, euh, j'ai euh, l'impression qu'il y a une volonté, pas que depuis cette extension, que les sagas fassent quelque chose, mais vraiment avec le board. Avec l'état du board. Bah Parce ouais. qu'il y a des sagas, les bonnes qu'on a envie de jouer, elles font un truc tout seul, on est content. Mmh. Toujours pareil, il y a Magic, hein. plus une carte est, euh, indépendante. est indépendante, plus elle est intéressante. Mais euh, là, on a des sagas qui font un effet... Le deuxième effet, il marche avec le premier, mais t'as pas trop envie, t'as plutôt envie de sacrifier euh, oui, une carte de ton board. Quoi. Et, euh, et troisième effet, bah, si t'as sacrifié par exemple ton premier jeton, t'as sûrement rien, euh, ou alors une seule créature, donc tu profites pas trop du plus de plus de piétinement. Non, mais franchement, donc, je... une curve, euh, t'as fait un drop 2 into la rédemption. Euh, si ton drop 2 il t'a créé un 1-1, ouais. tu vas faire du sale oui. quand même sur euh, la curve aggro euh, on the play. Hein. Tour 5, tu bourres quoi. Ouais, mais genre buffé de. Enfin, un drop 2 qui fait un, un body, donc c'est souvent une 1-1 qui fait une 1-1. Ouais, mais donc tu vois, si, si tour 5 tu bourres avec, euh, avec ton 2-2 qui a créé un 1-1, par exemple, ou, euh, et t'as 3-3, et que derrière pour 5, tu joues le drop 5 que t'as été chercher au tour, 3, euh, au tour 4, pardon, avec ton rédemption du chasseur, tu fais, des, tu fais des trucs sales, quoi. Ouais, bah, je pense que le play c'est une bête tour 2. Euh, une bête tour, tour 2 qui fait un token. Pour... Ça tour 3, non, même pas, genre n'importe quoi. Euh, ça tour 3 euh, qui fait une 3-3. 4, tu sacrifies le 2-2, tu vas chercher un drop 4 que tu joues, et, euh, et après, du coup, tour 5, tu as le trigger ah, okay. sur 3 -3, et et ton 3-3 et ton, ton drop 4, ok. Et tu as encore euh, 5 mana pour jouer un truc, ou alors ton 2-2 fait un token, et dans ce cas-là, oui. au, au, tour, au tour 5, pardon, tu vas oui. chercher, tu joues le, le drop 5. Donc, euh, j'aime bien le, la saga, elle est intéressante, euh, est fort, mais c'est vrai qu'il y a le côté euh, vraiment, si tu la si top deck par exemple, euh, l'effet que ça va avoir, euh, ça le premier effet, et le troisième effet, sont moins bien si ça t'as rien autour tu vois oh ouais, que mais... avec une petite curve à côté là ça devient beaucoup mieux en même temps si c'est fumé hein. oui, oui bah, c'est pour ça qu'ils ont préféré des designer comme ça mais est balèze, ils tendent quoi. à plus viser des synergies on va dire ouais. si, même si là la synergie c'est juste de curver euh, mais je trouve ça plus intéressant mais par contre j'espère que c'est assez intéressant pour qu'on les joue franchement euh, honnêtement euh, Golgari gros euh, drop 2 c'est un adversaire intrépide que tu mmh. mettras au cimetière ton tour 3 c'est ça ton tour 4 c'est Sholdred Ouais. Mais genre, c'est classique quoi. C'est ton drop 2 ah bah là, est est devenu bien. Ton drop 2 est devenu une ouais, ouais. Non, mais ce que je soulignais juste, c'est voilà ouais. c'est que les sagas seules comme ça euh, sont moins fortes, enfin, bien moins fortes que si t'as des trucs à côté. Ouais, ouais, ok. Voilà, voilà. Bénédiction du seigneur grouilleur. Il y a beaucoup de textes encore. Euh, pour 2, on a un enchantement. Euh... Ah oui, je l'ai vu. C'est pour faire de, de la value. Il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton maléfique attaché à une créature ciblée qu'on contrôle. La créature a plus 1, plus 1 et quand elle meurt, l'adversaire perd un point de vie. Euh, donc c'est la nouvelle mécanique, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, on explique toutes les nouvelles mécaniques dans la, la vidéo précédente. Euh, au début de votre étape de pioche, euh, si vous contrôlez une créature enchantée, vous perdez un point de vie et vous piochez une carte supplémentaire. Euh, donc ça, il faut qu'on garde une bête enchantée, donc notamment celle sur laquelle on a mis le rôle maléfique pour faire un action et dès ouais. qu'on l'a plus, ça fait plus rien. Alors C'est rigolo. En gros, ça fait Arenphyrexian euh, de manière intéressante que si tu joues un deck qui joue des rôles. Par contre, on ne jouera pas juste la carte pour buffer une bête et piocher des cartes une fois au chalet. quoi. Qu si jamais tu défends pas la bête sur laquelle tu as mis ta bénédiction ouais. du Seigneur, si elle meurt, c fini. la carte est nulle. Par contre, si mécaniquement dans ton deck, tu vas te retrouver à avoir plein euh, d'effets euh, d'attachement de rôle, mm. je sais pas, parce que par effet ricoché, tes bonnes cartes, elles mettent des rôles, bon, ça, c'est une super bonne carte. Je pense qu'il faut dans ton deck entre 4 et 8 effets rôles. Plus lui. Ouais. Parce que les, tous les exemplaires de mais ce du là, coup, ça, euh, va elle n'est pas indépendante. Ne la jouez pas juste pour Alors, son effet de base. Je pense que c'est même pas assez fort parce que la mécanique des rôles, c'est, ça a vraiment une tête de mécanique de limité. Si on ne s'en sert pas pour le côté euh, body object, attention. C'est pour ça. Je, je, me méfie. Si jamais, tu vois, c'est comme les tokens sans, c'est de la merde. Mais il se trouve ouais. que dans le standard, ça a été déterminant il y a six mois, tu vois. Ouais. Genre, t'avais des tokens sans partout. Pareil pour les trésors et tout. Bah là, admettons que je sais pas le standard. Euh, comme tu dis, huit cartes dans ton deck foutent des rôles parce que c'est une ligne de texte supplémentaire sur des cartes intéressantes. Bénédiction du Seigneur, c'est fine. Ouais, c'est ok. Après, ça se hyper mal quoi. Ils font drop 1 pour l'activer tout de suite. C'est. Moi, j'en connais un bon de dropin noir. Hein. Ouais, mais bon, il, non, est, mais il je... survit pas longtemps. Je suis pas forcément fasciné par la carte. Ouais. Vertu de loyauté. Ah, bien, pour 5 mana, on a un enchantement au début de votre étape de fin. Vous mettez un marqueur plus un plus un sur chaque créature que vous contrôlez et vous les dégagez. Et en éphémère, vous avez une aventure pour 2 mana qui permet de créer un 2-2 chevalier blanc avec la vigilance. On Alors, c'est euh, le hein. fameux cycle d'enchantement avec des aventures monocolores qui sont du coup des effets d'enchantement bien connus dans l'histoire de Magic avec une petite aventure qui permet, entre guillemets, de un peu synergiser avec. Euh, bah, qui euh, avec rend la carte quoi. jouable de nos jours. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, c'est quand même pas. Euh en commandant multi sera très bien c'est des cartes de commandant multi pour moi bah franchement la bête que ça crée c'est pas rien non c'est vachement bien de parce que en fait, ça serait que l'aventure en éphémère est forte mais tu vois l'autre ouais. aventure qui copie un spell pour avoir un enchantement qui fait pas d'harmonicon ouais. je m'en foutais un peu vertu de loyauté c'est pas mal mais en fait l'enchantement à 5 je m'en fous un peu c'est vraiment allégeance d'Ardenval qui m'intéresse bah ouais ça te fait des drops 2 en fait euh, qui sont pas mauvais et ouais. en late game, bah, ça écrase en hein, vertu de ouais, ouais. Non, Donc, non, c'est euh, effectivement euh, plus jouable. Je suis bonne carte. Ouais. Et dessin est très stylé. Euh, pipapou, on a le, la vendeuse de grimoire. Pour deux mana, on a une 2-2. Vigilance. Ça bon, lui. Exactement. Euh, humain et paysan. Au début du combat, pendant vos tours, vous pouvez payer 1. Quand vous faites ainsi, créez un jeton de rôle en sorceleur attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. Ça donne plus 1 plus 1. Et à chaque fois que la bête attaque, regarde 1. Tu vois, ça c'est coup... une carte sympa qui crée des rôles. Ouais, exactement. Ouais. Mais un peu faible art quand même. Genre, si tu utilises pas les rôles, t'as pas envie de jouer un drop 2 comme ça, je pense. Tous les tours pour un mana, ça te crée un rôle. Hein euh... Ouais. C'est une aspirante. Je, je le précise parce qu'on a eu la confirmation dans les, dans les commentaires de la dernière fois. Euh, effectivement, un... une créature ne peut pas avoir plusieurs rôles. Euh, donc euh, ni plusieurs rôles de la même sorte, ni ouais, plusieurs il faut rôles différents. Dis sur ton board quoi. Donc il faut dispatcher, c'est parce que c'était pas tout le temps écrit le reminder, mais en fait c'était c'était comme ça. Un reminder de base. Ouais. Donc, euh, donc là par exemple, si t'as que elle et que tu lui donnes déjà un rôle, bah, son effet il fait plus rien. Non non bien ça sûr, mais euh, ça fait partie des cartes qui ont deux lignes de texte intéressantes mmh. et il se trouve que ça, ferait, ça fait des rôles. Mmh. Et tu vois, tu pourrais jouer un horse of Agro avec Bénédiction du Seigneur grouilleur et vendeuse de Grimoire. Ouais. Pour être intéressant. C'est pas, pas une mauvaise carte. C'est pas une mauvaise carte, mais ouais. Les rôles euh, un peu. Pas convaincu pour l'instant. quoi. Après, si tous les tours pour un mana tu full rôles ta bête, euh, c'est fumé. Hein. Ben, je pense si que ça Si ça, tu peux mettre autant de rôles que tu veux sur n'importe quelle créature, tu crées un méga zord tous les tours. Enfin, non, c'est un rôle par bête. Oui, mais justement, si jamais tu pouvais rôler, multi-rôler une bête, ça serait fumé. C'est ça que ah je oui dire je... ben oui, c'est euh, vraiment très fort si tu. Voilà, c'est pour ça. Donc, mm. en fait, ça rentre dans la range de. Bah ok, encore oui c'est pas craqué. Tu vois ouais. En fait, je... Je me doutais que tu pouvais pas avoir plusieurs fois le même rôle, mais je me demandais si avais le droit d'avoir plusieurs rôles de différents. Oui, en fait, non. Euh, ouais. pareil. Si, si tu multiroles une bête, je pense que est, tu la rends vraiment euh, bah, bêtée. Ouais. Euh... Et t'as un... une carte qu'on verra plus tard qui marche bien avec les auras. Donc pour le coup, peut-être qu'il y aura un nouveau deck qui va pop. Ah, ouais, ça, me, ça me laisse penser qu'en vrai, tu peux jouer les rôles en construit. Hein. En tout cas, il y a des cartes ouais. qui ont une vraie gueule de, de bonnes cartes. Le garde du corps, oui, renard-garou, il est magnifique. On a une 2 de flash pour 3. Quand il arrive sur champ de bataille, tu exiles jusqu'à une autre créature non-renard ciblée jusqu'à ce que le renard-garou s'en aille. Et pour 2 PV, tu peux le sacrifier et gagner 2 points de vie. Bah, C'est excellent. Hein. C'est euh, trop bien. Les fameux les fameux fielleux qui exilaient des créatures pour 3 manas, sauf que là, au lieu que ça soit en rituel, c'est en flash. Et en plus de ça, si ton opposite target pour récupérer sa créature, bah toi, tu vas pouvoir gagner 2 points de vie. Juste la carte est wardée de telle sorte que tu ne puisses pas garde du corps Renard-Garou, le garde du corps de Renard-Garou de l'adversaire. Ce qui est un peu dommage, mais, euh... mais qui, est... qui est acceptable, quoi. Ouais, bah surtout, euh, c'est pas une créature qu'un adversaire contrôle. Donc, tu peux aussi faire des tricks de ton côté, puisque tu peux sacrifier le tu, Renard Garou. Tu peux le faire euh, de ton côté aussi. Bon, Ça sera, sera plus corner, mais, euh, mais ça a le mérite d'exister. En réponse, genre euh, Renard Garou sur ta bête qui est ciblée. Enfin, non, est ouais, ouais un bien sens. sûr. Sur ta shoulder aid. Allez, encore une, une fois. Protège, hein. euh, hop, à toi. Vas-y, sacrifie Renard Garou, il gagne de pèvres, suis en Ouais, bien sûr. Ça t'a coûté un peu cher, mais c'est un trick ce que tu peux faire. Non, non, bien sûr. Mais pour, pour moi, c'est l'effet euh, corner. Genre, ce qui est intéressant, c'est surtout ton oppo, il fait une phase d'attaque. Mm bah tiens, euh, je pique ta bête euh, en flash, tu vois, tu, tu l'as pas vu venir, ça c'est ah, assez, ouais. euh, assez cool. Ouais, c'est très bien, vraiment euh, très versatile. Mais tu vois, est-ce que c'est meilleur par exemple que, euh, comment il s'appelle, que notre Qatar Je suis pas certain. Bah, je pense que oui, parce que c'est flash et que tu peux prendre tes bêtes. Euh, après Qatar, euh, plus ouais, tu peux le libérer. Qatar. Euh, Qatar, tu peux potentiellement prendre plusieurs bêtes avec, ah, ouais. mais c'est dur quoi si hey, tu peux Qatar les Qatar de l'Opo aussi, quoi. Et tu peux Qatar les Qatar... Ouais, mais bon. La ligne de texte non renard, je pense que c'est pas très grave. Bah, alors, pour, pour, le pas. pour le gameplay Qatar, c'était tellement important en miroir de Qatar de Qatar les Qatar, mmh. que du coup, je pense que la ligne de texte, elle est un peu importante dès lors que la carte devient jouée. Ça que ouais, je veux dire. Mais... En fait, Qatar-Qatar, ça a été vraiment une dynamique de standard à un moment. Donc, du coup, forcément, si le renard-garou devient aussi une carte de standard jouée, ouais. la dynamique, elle aura de la valeur de pas renard le renard, tu vois. Ouais, mais en fait, ça va. Bah, si... C'est pas une ligne de texte qui est anecdotique. Du coup, en fait, c'était important dans le Mirror parce que tu pouvais le faire. Ouais. Mais euh, si de, depuis le début, tu pouvais pas le faire, la dynamique aurait été différente. Et, bah, on aurait pas... et du coup, ils t'ont mis cette ligne de texte-là pour avoir une dynamique ah, différente, ouais. quoi. Mais c'est pas. Euh... Non. Si tu peux pas le faire, c'est pas très grave, à mon avis. En plus, il y a plein danti il y aura 10 extensions standards, c'est facile de gérer une de deux. Ouais. Donc que, euh... Je sais pas à quel point c'est puissant. Mais c'est une très bonne carte, ouais, mais je pense que c'est pas pété non plus, quoi. J'ai l'impression qu'encore une fois, on traite de la puissance pour de la polyvalence. Ouais. Après, c'est mieux Genre. contre des match-up agro aussi. Parce que tu peux gagner des points de vie. Ouais, mais tu vois, dans un jeu blanc agro, je préfère avoir un Qatar, je pense. Ouais, Ah, ça, c'est moins agro, c'est sûr. Ouais, voilà. un body qui est plus faible. Prodige ingénieux. Euh, J'aime beaucoup cette carte. C'est une 0-1 euh, pour un mana bleu et X furtivité. Furtivité, du coup, ça fait partie des mécaniques. Ils en avaient parlé, Wizard. Il euh, n'y aura que cette carte dans l'extension, normalement, qui furtivité. Ces anciennes mécaniques, et en fait euh, elles font un peu leur retour par-ci par-là. Euh, alors, je ne sais pas si c'est pour des questions de lore ou simplement de design, j'ai pas la réponse, mais je sais que c'est ce genre de, de volonté qu'ils voulaient mettre en avant. Notamment, il y a des gens qui aiment beaucoup certaines mécaniques et ils peuvent pas refaire un retour sur une mécanique euh, facilement, mais ils peuvent euh, l'incorporer au set euh, sans que ce soit choquant. Donc, furtivité, qu'est-ce que ça fait C'est que la créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure. Donc, si c'est une 0-1, bah, elle est bloquée par rien. Euh, et elle arrive avec X marqueur plus 1 un plus un sur lui, le prodige ingénieux. Et au début de votre entretien, si le prodige ingénieux a au moins un marqueur plus 1 un plus un sur lui, vous pouvez lui retirer un marqueur et piocher une carte. Donc ça te fait un petit sac de cartes à piocher potentiellement. Ouais. Ça fait aussi une carte qui est difficile à bloquer suivant la valeur de X et le bord adverse. Euh, pour 2, tu as une 1-2 un peu imbloquable qui peut te faire piocher une carte le tour suivant. C'est très versatile. Ça peut être un peu faiblard. Ouais, je pense que c'est euh, quand on... même piocher une carte par tour suivant. Genre, c'est un top deck assez fou. Bah, ça te fait un énorme bloqueur qui va te faire piocher une carte tous les tours. En late game. En early game, c'est un peu plus dur de s'en servir. Si tu peux lui mettre des marqueurs autrement qu'avec sa capa, ça devient un peu la fête. Je, je trouve que tout seul, c'est une carte qui est vraiment faible. Encore une fois, on, on propose des espèces de trucs polyvalents, mais en vrai, dans ce qu'on veut faire dans le standard actuellement, et on va estimer que le standard actuel, c'est la norme, et que Eldred, ça doit. Euh, ou être plus fort ou être à l'équilibre du standard actuel. Mmh. Parce que si c'est pas plus fort, bah ça sera pas joué. Ouais. Et ça, c'est moins fort que le standard actuel. J'ai aucun jeu dans lequel j'ai envie de jouer ça. Parce ouais. que, euh, comme tu dis, ça fait rien tout seul si tu l'entretiens pas en marqueur. Si autour 2, t'as une 1-2 qui t'a fait pêcher une carte, mais qui devient 0-1, c'est vraiment pas très bien. Et ton top deck de late game, on a tellement des trucs plus vénères. Admettons que tu veuilles X égale 6 là-dedans mmh. pour te faire un sac de pioche en late game. Gros va jouer Italie. Tu vois ce que je veux dire vrai donc moi je trouve que prodige ingénieux ça a l'air sexy ça l'est pas par contre si comme tu le dis on peut l'entretenir là on en reparlera Mettre des marqueurs régulièrement, alors c'est pas trop ce que fait le bleu, mais c'est bien ce que fait Simic en général. Donc pourquoi pas c'est euh... euh, une carte qu'on qu gardera à l'œil. Je voir. parle rapidement de Draindego, qui est une espèce de nouvelle saisie qui sera intéressante ah juste oui, en dessous exact. pour le standard. Si vous faites saisie dépensée, sauf que vous devez vous défausser d'une carte. Euh, par contre, si vous contrôlez un peuple fait, ça fait juste saisie-dépensée sans la perte de 2 PV. Ouais. Pas du tout bien pour les formats modernes, les et compagnie, ça remplacera jamais saisie dépensée. S'il y a un deck peuple fait en standard, ce sera bien dedans. Ouais. Alors vous l'exilez de votre main, vous ne la défaussez pas Sinon, ça aurait été une, une très bonne carte pour oui, oui, pardon, vous. Oui, vous la carte de votre main, évidemment. Malheureusement. Voyage extraordinaire. Ouh. Quand le voyage extraordinaire arrive sur le champ de bataille, exilé jusqu'à X créatures ciblées. Pour chacune de ces cartes, son propriétaire peut la jouer tant qu'elle reste exilée. Ça vous coûte X, X et 2 bleus. Et à chaque fois qu'au moins une créature non-jeton arrive sur le champ de bataille, si au moins l'une d'elles est arrivée depuis l'exil ou a été lancée depuis l'exil, vous piochez une carte. c'est capacité ne se déclenche qu'une seule fois. À X égale 1, donc du coup à 4, tu exiles une bête. Quand il la rejoue, tu pioches une carte. A X égale 2, donc pour 6 manas, tu lui exiles 2 bêtes. Quand il les rejoue, tu, tu pioches 2 cartes. C'est euh, une bonne carte de tempo qu'on aura difficilement envie de jouer. Bah c'est hyper cher en tempo. Ouais. Quand as des bêtes qui font pour 2 spoons et en plus c'est une bête derrière, euh, pour 4 manas, exile un truc qui peut rejouer. Enfin, ouais. Non mais c'est juste dire. que par contre, tu peux investir tout le mana que tu veux là-dedans. Ouais. Ouais ouais mais bon c'est un effet plafond euh, qui est plus intéressant mais. Ce qui est plus intéressant à mon avis c'est de payer pour deux bleus et de caster des spells depuis l'exil. Mais ça c'est plutôt un effet de commandant multi. Ouais. Voilà voilà. Je sais, je sais pas si c'est euh, exécrable comme carte, mais j'ai pas ouais. envie de la jouer. Si je pense c'est nul. C'est bien que si tu joues mono bleu en limite, parce que t'as pas trop de moyens de gérer de board, mais. 3, 3, 6, 8. Genre pour gérer plusieurs 8, trucs, c'est. C'est un moulon quoi. Tu peux les rejouer, ouais, non, pas Je pense ouais. Euh, messager de Tarillion pour trois maintenant on a une un 3 peuple fée et noble vol à chaque fois que vous attaquez avec au moins un peuple fée piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte quand vous défaussez d'une carte de cette manière mettez un marqueur plus un plus un sur un peuple fé ciblé que vous contrôlez un peu raffiné euh, c'est un ordre ouais. l'esprit euh, mais plutôt pour les peuples fé euh, bah, ça c'est comme toutes les cartes qui marchent euh, avec une tribu si la tribu est forte c'est fort si la tribu n'est pas jouée c'est pas joué ouais, mais est-ce que lui il contribue à rendre forte la tribu ah, quand même, ouais. Je crois que ça contribue à rendre la tribu forte. S'agir bah de ça ça. Tarillon, ça contribue aussi à rendre la, 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 la tribu intéressante. ouais, ouais, ouais. bah ouais, parce que ça marche euh, sur ton peuple fait que tu as joué autour 1, autour 2. Après, ce qui est marrant, c'est que tu le compares à Raffin, et ça fait sens, parce que Raffin, c'est toujours dans le format, ça n'a pas été banni. Et mmh. honnêtement, Raffin, tu peux jouer n'importe quel drop 2, drop 1 avec n'importe quel deck midrange autour. Ouais. Euh, tu peux designer vraiment le graal, l'élixir de Esper en, en standard avec cette carte-là. Là, ça te propose moins bien que Raffin, et ça t'oblige à jouer des peuples faits. Donc si tes peuples faits ne sont pas excessivement puissants, on n'a mmh. aucune raison de jouer fait devant Raffin. Bah. En fait, voilà, c'est exactement euh, les, la tribu qui va compter, puisque Peuple Fait, en fait, au-delà de se buffer entre eux, ça donne accès à des cartes comme Drain par exemple. Ouais, mais tu vois, Parce un, que tu veux Peuple fait. un deck Raffine avec Contrainte, euh... voilà, ça va, quoi. Ah, c'est pas pareil, hein. Ça, c'est n'importe quelle carte Drindego. Non, non, c'est pas pareil, mais Drain d'Ego, ça te donnera pas envie de jouer Peuple Fait devant Raffine. Pas du tout. Non mais euh, plusieurs cartes comme ça, c'est ça. Notamment il y a un anti-bête qu'on a peut-être déjà bah, vu C'est ça la question. Est-ce que du coup peuple fait ça va réussir à, mm. à, à surpasser ce que propose Esper Midrange ou Esper Agro ou Esper Légende qui sont tous les decks qui peuvent intégrer Raffine Ouais. Ou alors ce sera peut-être le dimir Tempo de l'année prochaine. Tu vois. Ouais. Peuple fait quand tu auras plus. Est-ce que tu vois ça en plus ça a Power enfin, vraiment une souraffine euh... mm. dans un quoi Ouais. Donc bon, intention Guidam euh, réédité, c'est bien. Bon, pas pour son prix juste pour la jouabilité. Détrousseur On a un 1-1 pour 2, peuple fait, change forme, vol, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte en l'engageant, donc c'est un looter. Et si tu payes X, il devient la copie d'une créature ciblée depuis ton cimetière avec une valeur de X, excepté qu'il a le vol. Euh, excepté qu'il a le vol. Et cette capacité, donc tu peux rechange forme sur ouais. une autre créature de, de ton cimetière et tu actives cette capacité que lorsque tu peux lancer un rituel. C'est bien ça. Hein On drop 2 avec de l'évasion qui fait euh, loot et euh, réa, entre guillemets. Euh. Quand tu veux. Ouais, mais c'est pas ce que je veux jouer dans peuple Fait faire agro, tu vois, ou dans peuple fait tempo. Bah, euh, c'est ça bien quand ça, même, ça hein. ressemble à un drop 2 de deck midrange quoi. Ouais, intéressant. Je, moi je joue fort dans peuple fait hein. Peuple fait fly euh, tour 2 looter, tous les tours looter. Ouais, mais c'est si on veut jouer Rona genre dans les trucs comme Raffine. Euh... mais c'est ce que je te dis, pour moi ça ressemble à un deck ro... ça ressemble à Rona pour les mmh. pour les jeux euh... alors, tu veux pas jouer ça dans les deck Raffine, tu veux jouer ça dans les deck Esper Legend. ce qui est un peu différent. Parce que dans Raffine Midrange, tu jouerais pas Rona. C'est le sous-type ouais. légendaire de Rona qui lui donne cette importance-là. Ah ouais. euh, mais c'est vrai que tu as un effet un peu de discard dans les decks Midrange et tout. Mais peuple fait, si jamais on conserve un petit peu ce que font les fées dans l'histoire de Magic, ce sont des decks agro-tempo, ou en tout cas thématique assez agro. Et ça, pour le coup, ça l'est pas du tout. C'est pour ça que j'ai un peu de... Pas sûr. Moi bon, ouais, je pense que c'est extrêmement fort quand même. Hein. C'est un drop de vol qui bien fait sûr. Looter et qui fait Réa. Ouais, enfin Réa, ça prend l'apparence d'une bête que tu as mis au cimetière, d'une de tes autres Peuple Faits. quand même pas mal, hein bah, ça, oui, quand même. Mais... Euh... Ce que je te dis, ça c'est pas... Je le joue dans Peuple Fait, mais je le joue partout, ça. Pour moi, c'est une bonne carte de deck mid -range, mais tu veux pas le jouer dans Peuple Fait. si Peuple Fait, c'est UB Tempo. Ça, ça dépend mon... des autres drop 2 c est... C est ça, mon propos. de Peuple Fait qu'on a. Ils sont ouais. euh, mi-fig, euh, ça c'est très bien. Si on a des drop 2 de peuple fait tempo qui sont bien meilleurs, ouais. ça, ça va dans d'autres decks. Mais ça, ça sera joué on en standard. Franchement, euh... Je... ça m'étonnerait vraiment qu'on joue pas ça. Vraiment, c'est qu'on joue pas Dimir. Ouais, ça, ça a la gueule d'une bonne carte de deck midrange dès lors que mmh. tu peut foutre Dimir dans ton deck midrange. Mais du coup, c'est ça mon propos plutôt c'est que c'est pas une bonne peuple fait en fait. C'est pas que c'est pas une bonne carte, c'est pas un bon peuple fait. Peut-être. Bah, ils ont mis le type euh, au cas où. Ouais, ouais. Mais... Mais euh, pourquoi pas? Franchement, effectivement, en termes de, de cartes midrange, la carte est bien. En tout cas, je ne me rappelle pas les drops 2 qu'on a vus de peuple fait spécifiquement, mais euh, celui-là, il, il pourrait bien combler la curve. Les rats. Donc là, vous avez les tokens rolls, hein, si jamais hein, vous avez deux rôles par, euh, par token. Il y a un 5 qui buff vos bêtes et un qui euh, transforme en 1. Ok. Il est pour toi, du coup. C'est pas moi qui ai lu le détrousseur? Je crois pas. Ah, bah alors, Seigneur Gouillard des rats. Euh, Roi des égouts, pardon, rat et noble. A chaque fois qu'un autre rat arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, exilé jusqu'à une carte ciblée du cimetière d'un adversaire. Bon, ça fait de la hate euh, euh, pas intentionnelle sur le cimetière, c'est ce qu'on voit depuis un moment en magic maintenant. Et au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton de, de créature 1-1 noir rat avec cette créature ne peut pas bloquer. C'est tous les tokens rats de l'extension, c'est des 1-1 qui ne peuvent pas bloquer. Euh, bah c'est pas mal du tout ça. C'est un bon body. Ça fait une bête tout de suite, puisque au début du combat, vous la main une phase 1, ça vous faire votre rat de suite, donc c'est une 3-3 qui fait une 1-1, qui exile une carte du cimetière de créatures, n'importe quelle carte et ça va le faire tous les tours si vous fumer, allez ça. amenuiser euh, le deck de votre adversaire, euh, le cimetière de votre adversaire en faisant des tokens, juste bloque pas heureusement c'est une euh, bonne carte, c'est légendaire hein, ce qui fait que ça ne se cumule pas, heureusement mais euh, c'est euh, pour 3 manas tu as, euh, as une 3-3 et une 1, 1 qui exilent une carte du cimetière tous les tours et quand ça arrive en jeu euh, pas quand ça arrive en jeu au début du combat mais ça va ouais. le faire le tour où ça arrive ouais, voilà ça ne le fait pas deux fois fumé hein. c'est une très bonne carte mais c'est pas fumé bah si tu compares à l'intrus du cimetière qui est effectivement a la ward pour lui il ouais. faut comparer avec ce qu'on peut comparer dans le standard actuel il a la ward euh... il peut arriver 4-4 il fait gagner des points de vie il peut exiler deux fois par tour peut-être de quoi le l'intrus ouais ouais mais lui juste si jamais ça tourne sur le bord tu prends un un tous les tours quoi alors je pense qu'on joue quand même intrus si on veut vraiment cet effet là euh, par contre si on joue rat Évidemment, euh, le rat est trop bien. Il commence à ah, y avoir pas mal de cartes pour les faut, rats. Il faut jouer rat pour jouer ça devant. Non, euh... mais euh, disons que si on a déjà l'intrus, on va préférer l'intrus. Euh, euh, parce qu'en vrai, la okay. ward, contre contrôle, défausser une carte, c'est plus chiant qu'avoir un 1-1 qui reste sur le board. Genre, ça, t'a coûté deux cartes pour gérer un intrus. Ouais, ouais. Bah, c'est difficile de quantifier parce que ça, si ça tourne 5 tours, c'est meilleur qu'un intrus, tu vois. Ouais. Si une bête euh, drop 3 ou plus, tourne 5 tours, généralement, c'est que t'es bien, quoi. Ouais. Ton intrus il est resté 5 tours aussi euh, il a pu faire des trucs. En fait ça c'est une carte qui a, qui a le droit de pas attaquer tu vois. Ton intrus s'il attaque pas il fait rien. Euh, ça, ça, tu euh, vois, t'as pas le board, euh, ton impôt il a pas la gestion, mmh. ça se stack, ça se stack, ça se stack. Je sais pas, une partie midrange qui dure euh, 10-15 tours, ouais. bah ça c'est giga chiant quoi. Je sais pas, ça un plancher qui est moins, moins fort que l'intrus du cimetière, mais c'est un meilleur plafond pour moi. Les rats bloquent pas quand même. Euh... C'est un peu idiot quand même d'avoir une 3-3 qui drop à un. Tout ah les oui, c'est... Euh, on on omet même la dynamique une carte du cimetière. T'as un 3-3 qui est un pondeur de tokens tous les tours. C'est euh, c'est bonne carte. C'est Wedding Announcement, mais, euh, mais t'as une 3-3 de base. Ouais, quoi. mais les tokens bloquent pas, c'est ça le, le truc. Ah, mais encore heureux. Ah, mais encore heureux, mais du coup... Ça pour moi c'est fort. On l'a vu plusieurs fois, euh, les tokens euh, même euh, régulièrement, mais qui bloquent pas. Euh, tu vois, genre Jadar, il faisait des 2-2 tous ouais. les tours. Qui pouvait pas bloquer ouais sauf que c'était un par tour Jadar. Tu, tu pouvais pas, pas les ouais ça c'est fort je le colle ça c'est une bonne carte euh, c'est forcément une très bonne carte de rat et je pense qu'on la joue pas autre que dans rat euh, sauf s'il y a une mécanique de board euh, large par okay. exemple si je joue l'enchante blanc c'est qu'ils peuvent toutes les bêtes bah comme pour des trousseurs je vais à, à tourner au côté je pense que c'est une bonne carte de standard global ouais mais genre tant qu'il y a un truc on jouera à part je te dis euh, si on a besoin d'un ouais. board on jouera pas ça au dessus d'un truc un truc meilleur bah, raisonnons par rapport à Wedding Announcement. Wedding Announcement, ça te permet de, de dropper un à tous les tours, et ça peut te faire piocher si jamais t'as le droit d'attaquer avec. Bah, genre... Euh... genre Seigneur, ça te paraît pas un peu plus poche, euh, juste sur l'effet euh, plancher Non, Wedding Announcement, c'est quand même meilleur, ça peut te faire draw, euh, ça te buff le board. C'est moins bien que les deux cartes. Pas beaucoup, hein, mais c'est moins bien que les deux cartes, je pense. Ok, ouais, je, écoute, j'aime je, bien. Moi. Mais moi, j'aime bien la carte aussi, hein. Juste que, actuellement je pense c'est moins bien. Je que je les trouve, deux autres. Je trouve ça bête qu'un 3-3 pour un tous les tours sans aucune condition. Il est légendaire. Ouais, ouais. Donc euh, c'est pour ça. S'il n'est pas légendaire, par contre, je pense que c'est meilleur Coding Announcement. Et un truc, bah, ça fait pas la même chose, donc c'est dur à dire. Ouais. Mais... Écoute, mais je, ouais. je le garde en tête celui-ci. Il me plaît bien. Euh, famille de ronces pour 2. C'est à toi. C'est à moi, ouais. Famille de bronze pour deux, ajoutes un, un mana euh, vert euh, dans ta réserve et tu peux pour deux te défausser d'une carte et renvoyer le Famille de dans la main de son propriétaire. Ça te permet, entre guillemets, de le sauver des, des anti-bêtes. Et par contre, t'as une grosse aventure à ouais. cette mana en rituel. Tu meules cette carte, puis tu mets sur le champ bataille une carte de créature d'enchantement ou de terrain parmi les cartes meulées. Ça te permet de jouer l'aventure aussi et de rejouer la bête ouais. après. Et ouais, du coup ouais, de faire ça plusieurs fois l'aventure pas en possible. fait, ça te permet globalement d'avoir un drop 2 qui accélère. Et ouais. dès lors que tu as tes 7 mana, tu fais OK, fin de tour, je récupère mon truc. 7 mana, je mets un pâté. J'ai une bonne carte de deck ramp. Est-ce que ramp, ça sera bien dans le format On verra. Pas sûr. En tout cas, euh, j'aime bien le design. Et en plus, c'est un élémental raton laveur. Donc euh, bonus points. Or, oh, une carte que je déteste la folie de l'apprenti. Même si le de dessin est stylé. Pour 4 mana, on a une saga euh, en IZ. Euh, premier et deuxième effet, choisissez une créature non jeton que vous contrôlez, qui n'a pas le même nom qu'un jeton que vous contrôlez. Donc, déjà, si vous débutez le jeu, désolé. Euh, créez un jeton qui en est une copie, excepté qu'il n'est pas légendaire, que c'est un reflet en plus des de autres types, et qu'il a la célérité. Et troisième effet, sacrifiez tous les reflets que vous contrôlez. Ok, donc ça fait euh, deux fois clone, et après sacrifiez tes clones. Et après, il meurt. Ils ont la haste. Je, ouais. je déteste réfléchir sur les cartes comme ça. Les effets clones à Magic, je, je hais ça. Deux effets clones, forcément. Non, tu peux aussi copier les cartes de l'adversaire. Euh, ouais. Ah non, attends. Pff, un effet. Donc, je, non, que vous contrôlez. Donc, non. Que tes cartes. Ouais, c'est pas bien. Bah, tu les, tu les sacrifies, en fait. C'est pas très bon. Donc, euh, chiant. Ouais, ouais, Alors que ça, pas, ça, pas fan. Ça, c'est juste bien. Pour cette mana, on a un enchantement qui dit au début de votre entretien mettez sur champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature subite depuis un cimetière. C'est l'effet de Sholdred, mais en enchantement, alors que l'ancienne Sholdred mm. est une créature. Et t'as as une, une aventure en rituel qui met mon 3-3 et 3, qui te permet de gagner deux points de vie. C'est pas un très bon anti bête, mais encore une fois, comme ça t'offre un énorme payoff de late game, Bon on pourra peut-être jouer la carte juste parce ouais. qu'elle fait gagner deux points de vie. L'avantage, c'est que moins 3-3 dans le format, c'est quand même très très bien. Ouais bien actuel mais euh, moins 3-3 moins gagne de PF c'est. C'est juste que, encore une fois, il va falloir le comparer avec ce qui se fait actuellement dans le format où on a un format avec les mmh. meilleurs anti-bets de Magic press Genre tu mmh. peux jouer 4 cutdowns et trois droits la... et 4 droits à la gorge dans tes decks. Ouais. Est-ce que parce qu'il y a vertu de persistance qui est un énorme enchantement de late game, on va jouer mépris selon Loctwine C'est ça la question. Il faudra, ouais. il faudra discuter ouais, de, de ce truc là. Ouais. Genre dès, qu dès que ton deck il est mid range dynamique ou tempo. Tu joueras pas ça. Dès que ton deck va bah midrange de late game, on jouera vertu de persistance. Tempo, il veut pas casser l'espèce à 7. C'est mais, euh... mais même midrange un peu pushy, tu vois. Bah, Est-ce que ça te coûte beaucoup de juste en avoir un Non, bien sûr, mais dans ce cas-là, c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que la carte devient un anti-bet préférentiel Oui, si toi tu veux voir si on la joue x4. Ouais, c'est ça. Non. Euh, parce qu'en plus, plus, ça se cumule très mal. Bah, je pense euh, pas plus, Les autres effets. Mais l'anti-bet, euh, moi je trouve qu'il est pas si mauvais que ça. A hein. l'époque, on jouait 2-2, gagner 2 PF pour 2. Euh, c'est éphémère Là, on a moins 3, moins 3, mais dans le format actuel, c'est vachement bien. ouais, ouais bien sûr. Et ça touche beaucoup de trucs intéressants, notamment le fait que l'adversaire ait commencé, par exemple. Euh, tu peux rééquilibrer un petit peu ça en faisant ça et t'as encore un mana pour faire des trucs. Je sais pas si, si ce sera beaucoup joué, si, mais si, si, si c'est joué, un, comme tu dis, c'est un four. Hein. Je pense, ouais, que un dans game. les decks noirs qui sont euh, midrange, un peu late game, c'est gratuit. Je pense. En plus, contre mono-raid, tu lui tues son Feldon. Sans faire trigger et tu gagnes de PEV. Parce ah ouais. Feldon qui est 3-3 à cause de son euh, le Kumano. Ouais. ouais, ouais tu, tu vois contre raid, hein. tu joueras jamais Vertu de Persistance du coup. Donc c'est juste pour gagner Non mais, es mais l'Antibet est vachement bien contre ouais, ouais. Il est mieux que les autres antibêtes donc, euh, donc cool. Les pori. Ouais, je, 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 c'est pas mieux que Droit à la Gorge et Cutdown contre Monoraid, parce que Droit à la Gorge et Cutdown ça trigger pas Feldon et c'est des éphémères. Ouais, mais tu gagnes pas de PEV. Non, tu gagnes pas de PEV, mais du coup tu pas pris la phase d'attaque parce que tu l'as tué en éphémère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au ouais. final, théoriquement, tu perds un pef si jamais tu as un droit à la gorge. Ouais. Donc, c'est pour ça que, vertu de persistance, dure à ça, faut tester. Hein. Mmh. Dure à savoir, en vrai. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, bonne carte. Ça, c'est sûr. Euh, un anti-bet acceptable. Ouais. Avec euh, un effet très puissant de dead game. Oui, oui. C'est pas de mauvaise carte, quoi. Ouais. C'est vrai. Tiens, encore plein de textes voilà. Et Goutier de Bonnet Rouge, on a un 3-3 pour 4, menace, gobelin et guerrier. Quand il arrive sur champ de bataille, tu crées deux jetons de créatures. Un, un noir rat avec cette créature ne peut pas bloquer. C'est un 3-3 qui prend deux tokens cette fois-ci pour mmh. 4 mana. Et au début de ton entretien, tu peux sacrifier une créature. Si tu fais ainsi, tu mets un marqueur plus 1, plus 1 sur les gouttiers. Euh... Et tu peux exiler la carte du sud de la bibliothèque et tu peux jouer cette carte ce tour-ci. Bah, je trouve ça fort aussi. Trop bien. Mais ils ont quoi, là, à faire des cartes qui juste créent des tokens plus que de Plus, plus, que, de raison. plus que de raison sur voilà. leur CCM et qui, en plus, te permettent d'avoir des effets bonus C'est dès que les tokens ne peuvent pas bloquer. Il y a une. Enfin, genre, comme tu peux pas t'en servir, entre guillemets, pour la. Le board, Bien sûr. que pour attaquer, c'est plus facile d'en créer plus. Ouais. Après, euh... si tu as juste en, envie d'avoir des, euh, des game GameObjects, comme cette créature-là, ouais. Bon bah c'est vrai que ça fait, ça donne euh, tout de suite plus de, de peps. quoi. c'est 3-3 menace. Menace, Tu vas sacrifier ton truc, il sera du coup 4-4, tu auras mm. une 1. Donc là, tu conserves la value statistique de la bête que tu as sacrifiée. Ouais. Et en plus, t'as une carte à jouer gratuitement. Bah Je trouve ça ok aussi. Ça, c'est excellent. Si je... on joue pas, c'est juste parce qu'on veut pas jouer des Drop 4 rouges. Ouais, je préfère Sinon, quand même mon, mon Seigneur Grouilleur, mais Goutier c'est pas mal. Ah, je préfère Goutier moi, dans le del, parce que ça fait quelque chose qu'on n'avait pas. Ouais. Tu vois, c'est une bête qui fait et de la value, et, de la... et du board, et euh, qui va chercher des Planeswalkers ou autre avec la menace. Seigneur Grouilleur, on avait déjà des trucs qui faisaient token. Ouais. Pas exactement bon, va... comme ça, mais bon. A voir, mais en tout cas, c'est intéressant, on va, on va peut-être essayer de... Hop, c'est un ça. ça. passons. Enfin, je sais pas, ça a été révélé dans le loot. Ouais, bon. Ouais, on va passer. On passe. C'était le mal moment. Sortimage malveillant. Sortimage. Oh non, putain, pourquoi c'est moi qui dis ça Bon. Bah, pour 1, c'est une 3-2 qui arrive avec un enchantement sur elle qui la transforme en 1-1. Voilà. Et si t'es capable de lui enlever l'enchantement, c'est une 3-2 Ouais. Il y a des moyens faciles d'enlever des enchantements Bah ouais, avec. Mais du coup, euh, décurvé, donc c'est une 3-2 pas autour 1. et Non, mais ça peut être une 3-2 tour 2 avec un petit bonus à la clé. Genre, est-ce que t'as une carte qui dit euh, tuer une bête, enlever un enchantement de votre créature Ah, j'ai pas vu ça, mais. Euh... Les trucs qui te font sacrifier au bout saint permanent, euh, c'est facile quoi. Ok. Je pense. Mais bon, euh, les moyens mis en œuvre pour avoir une 3-2 early euh, qui du coup en late game sera nulle. Bah non, c'est ça. Est-ce Est que, entre guillemets, on a naturellement une synergie avec des bonnes cartes à mettre derrière quoi Je pense que c'est une synergie avec autre chose euh, qu'on verra plus tard. Mais euh, toute seule, c'est une carte vraiment pas bonne. Si t'as et... un truc qui dit en gros euh, saint permanent chez toi, tu une créature chez Lopo... Mm. Je bon, ok, pourquoi pas? C'est que c'est beaucoup de statistiques pour un mana. Bon, je suis, pas, je suis pas convaincu. Ça demande beaucoup de choses à côté. quoi Ouais, faut voir. Mais comme tu dis, s'il y a beaucoup de cartes tour 2 qui nous permettent de, de lui ça, ouais, tu sais, de faire des trucs un peu bêtes tour 2 et tu te retrouves avec ah, un bon. board un peu débile. Euh... Mm. Ou pareil, par exemple, juste pour 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 2 une 3-3, ouais. qui te demande juste de booncer un permanent et tu te retrouves du coup tour 2 avec une 3-2, une 3-3. Ouais, tu dis, putain, tu peux Genre, faire des sorties euh, euh, comme la push quoi. C'est un danger exalté, un truc comme ça, c'est une 3-3 pour -3, 3 qui faisait ça. Ouais, pas les... je, vois lequel, euh, je vois duquel tu parles. C'était un 3-3 vol pour 2 qui te demandait de boonser un permanent ah, Non, pour 3. Non pour 3. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, ce même genre de, de truc là, mais pour 2. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Euh... Plein de communion de co. Oula Et le Raging Battle Mouse. C'est une souris de combat, c'est marrant. Euh, c'est une 2-1 pour 2. Le deuxième sort que tu lances chaque tour coûte 1 de moins à lancer. Ok, Célébration au début du combat. Pendant votre tour, si au moins oui. deux non Nouvelle mécanique. deux permanents pardon, non terrains sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, euh, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus un plus un. Ok, donc si t'as joué deux spells, tu peux choisir au début de ta phase de combat de buffer un de tes attaquants. Ça joue de permanents. Ouais. Euh, c'est euh, c'est pas mal, sachant qu'en plus ça réduit le coût du deuxième. Euh... Bon, faut jouer des permanents, donc tu t'as pas trop envie de jouer ça dans Mono Red Burn quoi. Mais c'est une souris. Ouais, c'est pas un rat. C'est vrai. Bah après, je sais pas si aurais eu envie de jouer ça dans le deck ra. Non, mais genre il y a une mécanique, race, Et mécanique en rats, ra, il y a un mécanique ra, oui, c'est vrai. Pas des souris, c'est vrai. Bon. Pas trop qu'on trop hein. J'ai l'impression que les deux effets n'ont aucun sens l'un avec l'autre. Bah le deuxième effet te... Enfin, le premier effet te permet de jouer ton deuxième sort pour trigger célébration. Ouais, mais genre... Euh... Ouais. Je sais pas. C'est une 2-1, sans capa. Enfin, sans capa. ça, Kappa, ça des basures, en fait, ou quoi bien juger les cartes, ça nous demande tellement de nous projeter sur des synergies qui n'ont peut-être pas encore été révélées. Euh... C'est dur cet exercice, hein. Faites-le ouais. à la maison, vous allez voir. Bon, moi, je le fais en mode je lis la carte toute seule. Si ça me fait pas lever un sourcil, bon. Ouais, mais il y a plein de cartes qui te font pas lever un sourcil quand tu sais pas dans quel deck les mettre. Au final, ouais. quand on les joue en standard, elles sont en mode. Oui, ouais. Bien stylé. quoi. Oui, mais c'est rare les cartes où euh, je me dis. Euh, il y en a toujours une ou deux par extension, mais il y en a peu où je me dis oh la vache, j'avais pas vu à quel point c'était fort. C'est plutôt genre ah ouais, avec cette carte et cette carte, c'est vrai que la carte est, est bien meilleure. Mais tu vois, ça permet quand même de curver en tour 3 euh, de drop 2. Quoi. Mm. Non, c'est pas mauvais comme carte, mais euh, ouais. je sais pas. Euh... Je sais pas quoi, pas quoi on en dire. Fait, comme tu dis, en fait, rouge, si, si, si ça triggerait euh... sur double spell, je jouerais peut-être ça dans mon auraide, en vrai. Hein, dans mon de burn. Ouais, mais c'est que plus en plus un, c'est pas non plus fou, quoi. Elle a pas haste. Avec haste, oui. Non, mais ça te permet, euh, je sais pas, anti-bet, euh, anti-bet, euh, anti tour 3. Genre euh, lightning strike, feldon mm. Après, si je te dis une souris de combat enragée. Elle a quoi comme capa Tu me dis la célérité de tous les jours. Ouais. Elle a pas. Ouais, ouais. Elle est pas assez enragée, hein. il fait un ouais, peu plus non. de cocaïne là. C'est ça. De sucre. Un peu de, de trucs là. Par contre, des rosiers sauvages 4-4 pour 4, euh, qui fait comme tous les archontes un buff de masse. Les autres créatures, enfin les archontes d'Aldrine, pardon. Les autres créatures que vous contrôlez, qui sont enchantées par des auras que vous contrôlez, ont une force et une endurance de base de 4-4 et on le vole. Ça ça marche avec le copain Dropin. Ouais, ça tombe 1 c'est une 1-1 jusqu'à ce qu'il la recompte ça marche avec les générateurs de rôle aussi oui et aussi avec les générateurs de rôle ouais. ah, franchement j'ai l'impression qu'ils essayent de pousser la mécanique en limité du oh, coup, on construit, pardon. ça transforme en 4-4 et le rôle trigger quand même Ouais. donc t'as une 5-5 vol mais genre tu la compte. Euh... Ouais, ouais bien <laughs> sûr mais tu vois ton arc-compte c'est un 4-4 vol pour 4 donc du coup si mécaniquement le reste de ton deck joue des rôles sans ouais. que ça soit des mauvaises cartes Bah, c'est juste une bonne carte qui rend tes autres cartes meilleures pour l'instant, j'ai l'impression qu'on dit, eh, regardez ce qu'on peut faire et on le fera pas. En tout cas, mais... à chaque carte qu'il rajoute, ouais. je commence à entrevoir la possibilité. C'est possible, notamment avec encore une fois une carte qu'on va voir à la fin, je suppose, je sais pas quand elle a été révélée, mais qui est, euh... ce n'est pas un leak, hein. qui est vraiment euh, bien pour ce deck-là. Okay. Mais du coup, toujours pareil, quand le deck est bien à cause d'une carte, si tu l'as pas, ben le deck est moins bien. Non, mais... Donc à voir. L'argument, c'est tu joues pas des mauvaises cartes pour mettre en place une bonne stratégie, tu mmh. vois. Ouais ouais. Mais ça, c'est pas des ça, mauvaises cartes. Mauvaise c'est carte. pour ça que ça, ça m'intéresse un peu. As-tu vu le Charming Scoundrel J'ai pas vu le Charming Scoundrel non. tu vas adorer. D'accord, c'est ça C'est ça. Eh bien, c'est une incélérité humain et gredin pour deux. Euh, quand il arrive sur champ d'attaque, tu choisis un Tu défaites une carte, tu pêches une carte, tu crées un trésor. Ou alors tu crées un jeton rôle maléfique attaché à la créature ciblée que vous contrôlez. Ok, c'est très polyvalent. Encore une fois, on troque un peu de puissance pour de la polyvalence. Ouais. Euh, parce que 1-1, c'est l'hérité, ça nous fait quand même pas lever le. Comme disait euh, Saffron Olive, euh, à l'époque on a joué euh, Willy Goblin ouais. de Manarouche, une un qui faisait un trésor. On a joué Willy Goblin dans des dans des standards qui étaient quand même pas mal plus faibles que celui euh, ouais. auquel on est. Mais, Mais on a joué fait, Willy Goblin. C'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Que 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 ça ça Willy Ace, Goblin, ouais. et que c'est pas juste créer un trésor, t'as le choix euh, parmi d'autres effets. Après attention, toute proportion gardée. Moi je sais très bien dans quoi on a joué Willy Goblin. Et c'est une autre paire de manches. C'était pas non plus le deck ouais. du format, mais j'avoue que c'est assez polyvalent pour, euh, pour fait, exister. Ouais. Au pire des cas, tu fais euh, un jeton maléfique sur lui-même. Donc c'est une 2-2 ace pour 2 qui, quand elle meurt, fait, fait perdre un point de vie. Ouais, ouais. Non, non, c'est euh, bien. C'est pas mauvais. Non, non, non c'est non, une bonne carte. Tout donc, à fait. Ça, c'est vraiment bien. Il n'y a rien à dire. C'est bien. La meilleure carte du set, et je suis très content que ce soit moi qui en parle, ça, ça fait vraiment très vibe flesh and blood, je trouve. C'est okay. la Crown of Winter d'Ilda. Ah oui. Hilda que j'aime beaucoup. Ça coûte 3 mana. Donc ça coûte un mana de moins qu'Ilda. permet de fonctionner C'est parfait. Ça coûte 1. Euh, et on l'engage. Euh, on... on engage une créature ciblée. Et ça coûte 1 de moins à activer pendant notre tour. Ah, donc bah on dis on donc. Ilda Et bam. On -ce vous vous pas ce qu'on cherchait pour Exactement. fonctionner avec Hilda. Et pour 3, on sacrifie la Hilda Scorn of Winter. On pioche une carte pour chaque créature engagée qu'aux adversaires contrôlent. Donc ça, il a été un peu trop cuident à attaquer. Bah, tu te remplis la main, quoi. Bon. Alors, Alors, ça veut dire que si ça ça marche pas avec ça, ça rend pourri quoi. Parce que là, il t'a fait donné, quoi. C'est que le standard est trop méchant aussi. Ouais. Parce que bon, ça, ça se casse Moi, avec un Moi, ta que si tu fais une réussite, un solitaire que tu mmh. joues tout seul, ça marche trop trop bien. Mais que ça, ça rend toujours pas ton deck Ilda euh, standard proof. Par contre, Je pense on, encore une fois, hein, juste, on te laisse faire. Ah bah oui, c'est tiens, deux cartes combo. Je pense que si je n'aimais pas la synergie, j'aurais dit que c'était pourri, je ne veux pas ça. Mais comme je ça m'a tapé dans l'œil, euh, moi j'ai envie de tester ça, et comme l'ont dit les gens, si il y a le stream d'AP, on va essayer oh, de vous... C'est euh, sûr que ça. ça, on va le tester. Voilà, par contre, euh, à un moment donné, on va faire ça, on va prendre chez Uldrin, on va se dire, ah dommage. Ouais, en fait, moi je vois trop un mec qui va faire euh, tour 3 Hilda, et tu vas faire, ok, euh, vas-y, je pose une bête, euh, on fou. Pose... Ouais, je pose une bête, je garde de mana up, Hilda, mmh. ok, anti-bête, L'avantage c'est que ça, du coup, tu peux t'en servir tout de suite. Ouais, ouais, Genre tour 3 tu fais euh, Hilda. Euh, Je n'engage une bête, si t'as un intérêt. Donc ça peut, ça peut être sympa. Ça on compte, pas une, un on continue froid. à te donner des choses pour faire mumuse avec Hilda, mm. mais il va falloir donner plus, les gars. Il va falloir un peu plus. Mais surtout que ça, ça te permet d'engager gratuit, mais il faut quand même payer pour trigger Hilda. Ouais. Donc euh, il faut décourder. Euh... Euh... Allez, battez-vous. Montez le meilleur deck Hilda possible. Bof, ça c'est un excellent 1 Achetez ça. Alors, c'est la rôtisserie élémentale. 1-1 pour un menace. À chaque fois que la rôtisserie élémentale inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur brochette sur la rôtisserie élémentale. Euh, puis vous pouvez le sacrifier si vous faites ainsi exiler les X cartes du dessus de la bibliothèque. X étant le nombre de marqueurs brochettes sur la rôtisserie élémentale. Et vous pouvez jouer ces cartes euh, ce tour-ci. Bah, c'est un peu comme le boma de courrier, sauf que ça n'a pas de télérité. Du ouais, coup, mais ça ne pas le premier tour. Ça tape pas le premier tour, ça t'a plus facilement. C'est mieux que boma de courrier C'est moins bien que boma de courrier. Ça ne te fait pas défausser ta main ça te fait pas défausser ta main mais c'est dans des decks où dans tous les cas tu vas la défausser, tu vas la jouer entièrement. Tu auras plus beaucoup de trucs mais disons que tu as le choix. Je pense que c'est bien, je pense que tu vas réussir au moins à connecter avec X égal 1 au mmh. moins euh, sur ton tour 2, tu fais oui. ça tour 1, tour 2, tu es sûr de connecter. Par contre, c'est moins bien que Beaumat de courrier, je pense. d'assez loin. C'est ouais. Je pense que Ah, je sais pas si c'est excessivement moins bien pas d'assez loin. Je je, 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 non. je me trompe. Ouais, pas d'assez loin, c'est un Arthos, beau de courrier, donc ça prenait aussi double, double gestion. C'est pas c'est pas moins bien d'assez loin, c'est un fouille à moins loin, moins bien, mais c'est vrai que je veux essayer ça dans mon raid. Bah voilà, on n'a pas beau de courrier là, donc euh, euh, de toute façon. Il y, y a pas de galère. Euh, non, mais c'est pour voir prend. à quel point parce que bonne courrier, c'était vraiment un cadre mmh. de son standard. Tu vois, je pense qu'on préfère ça pour Saint piou par exemple. Ouais. Ou Saint piou certes, c'est célérité et ça revient du cimetière, mais genre piocher des cartes euh, et en plus menace. C'est quand même chiant pour l'adversaire. Est-ce que, bien, est on le voit voilà. pas comme un 1-1 menace pour 1 qui mmh. te fait piocher une carte C'est ça, hein. il Demande pas beaucoup plus. Quoi. En fait, c'est le genre de carte, voilà, dès que tu peux plus te connecter, euh, connecter avec lui, pardon, ça, dégage ça fait et... piocher X cartes. Euh, mais tant que tu peux, tu le... Tu le gonfles, quoi. Tu le gonfles, quoi. Après, Par tu contre... dois le sacrifier une fois qu'il a touché, c'est ça qui est un peu chiant. Ah Ah oui, c'est pas comme Bomad où tu le... sacrifies en veux. réponse à un Tibet. Non, ouais. c'est moins bien d'assez loin, alors. C'est ah. moins bien de vraiment d'assez loin. Après ça te coûte pas ta main encore une fois. Non tu mais peux est le faire est... tôt. Ouais mais le fait que ça touche c'est un enfer. C'est un enfer parce qu'en fait, ça va race. toucher forcément autour d'eux mmh. et dans ce cas là tu vas le buffer et après tu si tourne au pauvre plus que ça touche ça touche plus quoi. Ouais. Je trouve la carte quand même bien mais euh... c'est plus dur quoi. Après non, euh, on, joue... je, je on je crois qu'on joue d'autres spells à côté. Je crois euh... que je préfère pousser un ou Dommage. Je, je suis pas sûr de moi mais je suis pas sûr de moi sur cette carte. Passez si ridicule, 4 manas rituel, on peut le lancer en flash si on paye 2 mana de plus. Et pour chaque créature que vos adversaires contrôlent, crée un jeton de rôle maudit, attaché à cette créature. Donc on transforme toutes les créatures adverses en 1-1. Un effet qu'on voit euh, de temps en temps, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Pour 4 mana, le bord de ton opposé, c'est 1-1 Ouais, en rituel, ou pour 6 en flash. C'est pas mal, non Surtout en euh, bleu. Surtout en bleu, ouais, c'est ça. Ouais. Euh... Et franchement, du... c'est un peu mieux que brass. Après, des... enfin, ça les transforme parce qu'ils ont un jeton. Si euh, il peut enlever les jetons, le jeton, ok. Euh, bah, ça redevient la bête que c'était. Bon, admettons que le mec il est pas de quoi bouncer spécifiquement le mmh. jeton puisqu'il joue un pack à 2000 classique. Ouais. Franchement, euh, détruire ouais. tout son board c'est meilleur que. Enfin, rendre tout son board 1-1, c'est meilleur que le détruire. L les capas sont toujours là. Sur le reste c'est toujours vie. Ah. C'est pas des syntaxes, c'est juste que les stats sont à 1, -1. Euh, du, dur de ça, c'est dur de dire. C'est bien parce que c'est bleu, parce que bleu galère. Euh, oui, préfère, sinon, euh, personne ne euh, ça exile tout. Voilà. Enfin, si on joue mono bleu, c'est intéressant. Sinon, ok, euh, on en ouais. faut, mon avis, c'est ça. Euh, oh, Im Imodan. Imodan, le pyro marteau. On a une 4-4 pour 4 C'est des bonnes stats. Légendaire humain et chevalier. À chaque fois qu'un sort d'éphémère ou de rituel que vous contrôlez qui ne cible qu'une créature inflige des blessures à cette créature, Imodan inflige autant de blessures à chaque adversaire. une oh, quand tu blastes une bête, ouais, ouais. bah, l'adversaire prend autant. Et c'est obligé que le texte soit aussi compliqué Je, je pense le nouveau wording. Pour okay. dire bon. ça, mais ouais, mais non, on va pas jouer ça dans mon Burn, On a autre chose à mettre. En... Mets tes first, first strike. Mets tes first strike. tes ace. Mets un truc. Là, euh... ace, on discute. Ouais. Même first strike, je te dis 4-4 first strike, c'est. c'est quand même un bon drop 4, euh, ouais. Tu peux faire des trucs, quoi. Mais là, non. Quoi. Bon. À plus, Imodan. À plus. Euh, tac. Les rats. Ah, alors ça, Tangle Colony, référence au roi des rats. Euh, attention à vos risques et périls si vous tapez roi des rats sur Google. 2 mana, 3-2. Bonne stat, ne peut pas bloquer, normal. Quand euh, Tangle Colony meurt, crée X jetons de créature 1 un, un noir rat avec cette créature ne peut pas bloquer, X étant le nombre de blessures qui lui ont été infligées ce Donc facilement 2. Bah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ça, c'est juste bien. Drop 2 de rats qui ne euh, pas qui tabasse, pardon, et qui refait des rats quand ça meurt. Mec, vas-y, moi, je vais, je vais tester rat à la paix. Hein. Ah, quand ça meurt avec des dégâts, ouais, pas avec vrai. un anti-bête. C'est dommage que lui ne peut pas bloquer. Je comprends que les tokens que tu crées peuvent pas bloquer. Ça, mmh. c'est légitime, parce que sinon, ça va été trop fort. Ouais. Mais que lui bloque pas, faites chier, ça va. Ouais, hein. ah, mais c'est une colonie euh, enchevêtrée, là. Ils peuvent pas. Il ouais, bah... y a un nœud de queue. Ouais, bah, ouais, mais du coup... Euh... Enfin, faites un méga zord de rat qui bloque, toi. Que tu fous euh, regarde comme ouais, les pyramides il de cheerleader il... ah mais il faudrait qu'ils se coordonnent bah ouais tu fous trois rats sur la base ouais. deux rats sur les deux autres mmh. un rat au dessus l'autre bien hein. ouais mais dès qu'il y en a qui a envie d'aller pisser c'est mort ah ben bah ouais. bon bah tant pis pour la colonie hein. oh le bivouac le, le bivouac c'est pour euh, c'est pour toi c'est pour moi c'est pour moi c'est pour toi il arrive en jeu engagé Pardon. il ajoute blanc et rouge évidemment et pour trois manas, c'est un 2-2. beau vidéo. Juste un 2-2 beau vide, il fait rien. Okay. Ouais. Et à chaque fois qu'il qu attaque, tu le mets tu mets un marqueur plus +1, 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et ça peut être lui-même. Ouais. Stylé. Ah, c'est bien. Pour ça que c'est une 2-2. Stylé. Ah, sinon, c'est. Ouais, ouais. bah bien. Je l'aime bien, lui. Bien. Je me permets. Ibour. Euh, je vous montre juste son skin. Oh, il est beau. Incroyable. Putain, il... par contre, il défonce des bivouacs, quoi. Ah, bah oui. Oh, c'est le. Le débivocker. Le débivocker, oui. Ok. Mais euh, très stylé. Et ben, bah, c'est une bonne carte d'agro. Hein. le fait que ça se buffe oh. lui ou les autres créatures, c'est vénère. Oui, bah, tous les mana de sont bien de toute façon. Oh, ouais, je pas, pense, de, pas de galère. Très cool. Euh, enfin, on y arrive. Pour deux manas, les créatures enchantées que vous contrôlez gagnent plus de plus de. Et eh. ça, c'est ça. Mais en fait, c'est ça que je voulais dire depuis tout à l'heure. C'est est-ce que ouais, Alors, cette carte évidemment rend euh, les rôles très puissants. Ouais. Parce qu'un rôle du coup, ça donne plus +3 trois +3. plus trois. Est-ce qu'avec ça ça suffit pour jouer un deck à gros patates. T'as 3-2 qui est 1-1, elle est 3-3 autour d'eux avec ça. Ouais. Bon, après, c'est pas <laughs> incroyable Mec, non plus. Hein. Tu le sens le Hors of Aura là On va essayer au moins. Mais, On je va essayer. me demande si c'est Hors of ou si c'est pas Célestia plutôt. Parce que t'as Audacity en Celestia comme aura. Et c'est une bonne aura. Ah, mais t'as Archon et tout. Ah oui, euh, 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 oui Blanc, en ça marche. Ah, ouais. hein. Donc, ça, moi, ma question, c'est est-ce que, parce qu'évidemment, c'est fort, ça ouais, suffit ouais. pour qu'on joue ça, ou est-ce que bah, les games où tu la pioches pas, bah, t'as un deck vraiment euh, Pareil, mid. Ça, ça suffit pas, mais ça se cumule. Ça se cumule, on voilà. est d'accord. Ça se cumule, c'est un truc cumulatif qui rend ouais. encore plus la stratégie intéressante. On a ouais. déjà vu pas mal de bonnes cartes. En fait, ça se cumule jusqu'à ce qu'on ait 36 cartes jouables, ouais. <laughs> et du coup, c'est bon, on un deck. Pour moi, si t'as une autre carte de ce power level, euh, donc que tu vas jouer en x4, ça, comme on, on commence à discuter. Mais l'Arcon, franchement, c'est trop cher. Moi, je discute hein, là déjà. Ouais, mais l'archon, c'est trop cher. C'est pour 4 mana. Donc, ton board, s'il a rien fait avant le tour 4, que t'es l'archon, pareil, c'est trop tard. Ouais, mais toutes tes cartes qui sont génératrices de rôle, c'est des drops 2 et 3. Donc, 1, 2 et 3. Donc, au final, ton archon, il arrive, il a déjà 2-3 cartes à, à pumper sur le board. Hein. Enfin, si ton board, il commence à faire des trucs au tour 4, euh, au tour 5, il se prendra. C'est un peu poubelle, quoi. Ouais, mais après, enfin. Il fait des trucs, tu as joué des cartes. L'idée c'est que les cartes qui te permettent d'avoir des rôles sont pas mauvaises par elles-mêmes. Ouais. Et dans ce cas-là, tu as juste une curve aggro les trois premiers tours. Et Arconte, c'est en mode Arconte, j'attaque, tu prends 15 quoi. Bon, j'exagère, mais t'as compris quoi. J'ai l'impression, moi, euh, que c'est un deck qui aurait été bien si le standard était, euh, avait euh, rotationné. Ouais. Mais comme il ne rotationne pas, peut-être sera pour, pas... Assez pour moi, tu sais, c'est les decks de début de standard euh, aggro, quoi. Ouais. Euh, c'est ton deck soldat, quoi. Ouais, un peu. Ouais. Ah, tiens, il y a des nouveaux soldats, on joue soldats. Ça me donne envie d'essayer. On a accumulé assez d'effets pour qu'on puisse discuter euh, moi, je suis de curieux, la possibilité. Hein. J'ai beaucoup joué ces Enchantment récemment, donc vraiment, euh, c'est pas mal. Ouais. Déjà, ne serait-ce que rajouter ça dans ces Enchantment, ça fait des trucs. Donc. Euh... Non, parce que dans des Enchantment, au final, à part Audacity, dans pas tes créatures. T'as pas un autre truc qui fait une aura C'est pas pas dans le signe enchantement tel qu'on le connaît. Ah non, peut-être que je me trompe. là voilà. Bon du coup. Mais euh, mais c'est. Écoute, on va, on testera ça. Venez aux AP. Hilda s'est testé et Aura s'est testé. Voilà, vous le savez. Et Ra s'est testé. Déjà, voilà, je vous colle le euh, soir des AP. Eldraim. Temur Aventure. Il dit tout. Temur Aventure, Ragdosra, Hilda, euh, Tempo contrôle un peu et euh, euh, oui. et rôle. Euh, C'est sûr, ça y passe quoi. Et en vrai. Mmh. Qu'une extension qui n'est pas finie d'être révélée au deuxième spoiler nous donne déjà autant d'idées de deck, mm. et ben ça prouve que la politique qu'a mis en place Wizard, où ils guident vraiment le gameplay qu'ils ont envie de donner au futur standard pour créer des synergies plutôt que des piles de cartes puissantes. C'est bien. Et tu vois, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont mm. dit on ne veut plus imprimer de Sholdred, on ne veut plus imprimer de cartes qui sont Staple Auto Include dans tous les decks. Ouais. On veut pousser le game design et le deck building vers des synergies qu'on aura nous-mêmes au préalable définies. Ouais. Et ben là, à chaque fois qu'on voit une carte, on dit ah, mais ça manque de, mm. Ah, ça se rajoute à. Ah. Ouais. Et du coup peut-être qu'à la fin on a un deck. Franchement 100% réussi. J'espère en tout cas que ça passera l'épreuve du feu. Exactement ce qu'ils veulent faire et ils ont l'air de, de réussir quoi. Ouais. Sanctuaire solitaire. Alors je sais, vous allez me citer ça dans les commentaires, c'est pour ça j'en parle. Euh, c'est la maison de d La reine des ouais. neiges évidemment. Euh, mais non, il ne faut pas jouer ça avec Hilda. Euh, pour 3 ça engage une bête, ça lui met un marker stun. Okay. Euh, et à chaque fois qu'on engage une créature dégagée quand ça contrôle, on met un marqueur sur une créature qu'on contrôle contrôle. Okay. Mais en fait non, c'est trop cher. On va, on veut autre chose. On va ouais. utiliser des outils de contrôle, ça, ça, des trucs. Ça peut se rajouter dans l'équation, mais c'est pas déterminant du tout. Bah, vu que ça n'engage pas à chaque tour, ouais. on s'en fout. Ouais, je pense aussi. Donc euh, le côté marqueur et tout, voilà. Bon en tout cas, ce que promet Eldraine c'est-à-dire de pousser des synergies, et eh ben ça le fait bien dans ce qu'on voit. Après, est-ce ouais. que ces synergies elles vont invalider? Les piles de bonnes cartes qu'on avait dans le standard d'avant, si elles n'y arrivent pas, bon, on passera par les bannes, hein, tout simplement. Mais en tout cas, oui. du coup, on Et sait qu'à un moment donné... 3-4 semaines plus tard de l'extension, il y a quand même des bans, si s'il y a besoin. Et s'il y a pas besoin, il y a pas de banne jusqu'à l'année prochaine... Euh, euh, jusqu'à l'extension Mais gros. ça m'apporte, du coup, une curiosité, plutôt que dans les derniers sets de standard où on piochait juste, ah, ça c'est une bonne carte, ça va rejoindre Esper range. ça c'est une bonne carte, ça va dans Raffine, ça c'est une bonne carte, ça va dans Ragdos. Mm. Et c'était un peu euh, le sujet de nos discussions. Ouais. Là non, là, putain, j'ai envie de créer quatre decks déjà. Ouais, Donc, ouais. Donc euh, belle belle promesse. Belle bête. Euh, fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic et FR et surtout n'oubliez pas... C'était de la belle, belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.